Qu'est-ce que j'ai fait là? Un œil. Je vous appelle. Ah. Vous appelez comment? Sandrine. De la gomme arabique. De là, qu'on appelle acacia. Alors ça, on l'a appris à l'école des Beaux-Arts à Dakar. Hein. On essaie de former des jeunes en leur apprenant un peu ce que nous faisons, c'est les jeunes de la rue. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Et cette dame, on l'appelle comment? Ça va commencer par un S. Hein? On finit notre voyage en Égypte. Abracadabra. Et voilà, Sandrine bronzée. Travaillent pas la terre. Parce que chez nous, en fait, c'est l'agriculteur qui a été toujours être considéré comme le noble, parce qu'il travaille la terre et nourrit les autres. Ceux qui ne la travaillaient pas, ils étaient considérés comme des gens de basse classe. Il y avait deux castes, les artisans et les artistes. Les deux, ils ont en commun le fait de ne pas travailler la terre. C'est pourquoi c'est les gens qu'on regardait d'en haut. Les artistes, c'est ce qu'on appelle les griots. Ce sont chanteurs, danseurs, batteurs de tam-tam. Mais en même temps, c'est eux qui racontent l'histoire africaine de manière orale. Puisque c'est les gens qui ne travaillaient pas la terre, quand ils mouraient, on ne les enterrait pas. On mettait leur dépouille dans le creux d'un bawa.